besoin de stat la matière. Inspirez nous, besoin de stat la matière. À chaque prière, et continue selon ta promesse. Levez-nous. Et continue selon ta promesse. Besoin de stat la matière. Besoin de stat. Au Saint-Esprit, stat la matière. Esprit de vie. Oh, mais on vous stat matin, stat au matin, stat au matin. Inspirez-nous à chaque prière, à chaque prière. Fais-le go, stat matin, stat matin, stat matin. Et continue selon ta promesse. Qui t'aime en l'air, qui t'aime en l'air, qui t'aime en l'air. Au Saint-Esprit, esprit de vie. Quelqu'un l'a trop petit vous, gloire. Quelqu'un l'a envahi ma terre, quelqu'un l'a envahi. Inspirez-nous à chaque prière. À chaque prière. Quel sérum. Quel bon sérum ma terre, stat ou ma terre. Et continue. Quel stat, c'est l'autre. Oh, mais. Quand quelqu'un tout le monde, levez plus haut. Aïe. Au Saint-Esprit, esprit de vie. Quel entre nous et de gloire. Inspirez-nous à chaque prière. Esprit de vie et de gloire. Inspirez-nous à chaque prière. Et continue selon ta. Au Saint-Esprit, esprit de vie et de gloire. Inspirez-nous à chaque prière. Inspirez-nous à chaque prière. À chaque prière. Et continue selon ta promesse. Et continue selon ta. Est-ce que mes au Saint-Esprit, esprit de vie et de gloire. Besoin de stat la matière. Inspirez-nous. Besoin de stat la matière. À chaque prière. Et continue selon ta promesse. Levez-nous. Et continue selon ta promesse. Besoin de stat la matière. Besoin de stat. Au Saint-Esprit, stat matin, esprit de vie. Oh, mais on vous stat matin, stat au matin, stat au matin. Inspirez-nous à chaque prière, à chaque prière. Fais-le go, stat matin, stat matin, stat matin. Et continue selon ta promesse. Qui t'aime en l'air, qui t'aime en l'air, qui t'aime en l'air. Au Saint-Esprit, esprit de vie, quelqu'un l'a trop petit vous, gloire, quelqu'un l'a envahi ma terre, quelqu'un l'a envahi. Inspirez-nous à chaque prière, à chaque prière, quel bon sérum, quel bon sérum ma terre, stat ou ma terre. Et continue, quel stat, c'est l'autre, promets, quand quelqu'un tout le monde, levez plus haut, aïe. Au Saint-Esprit, esprit de vie, quel entre nous et de gloire. Inspirez-nous à chaque prière. Esprit de vie et de gloire. Inspirez-nous à chaque prière. Et continue selon ta promesse. Au Saint-Esprit, esprit de vie et de gloire. Inspirez-nous à chaque prière. Inspirez-nous à chaque prière. À chaque prière.
conduis-nous selon ta promesse. Et conduis-nous selon ta promesse. Est-ce que mes rôles? Au Saint-Esprit, Esprit de vie, et de gloire. Besoin nous start la matin. Inspirez-nous. Besoin nous start la matin. À chaque prière. Et continue selon ta promesse. Lève nos mains. Et continue selon ta promesse. Besoin nous start la matin. Besoin nous start. Au Saint-Esprit, start matin. Esprit de vie. Oh, hey. Besoin nous start matin. Start au matin. Start au matin. Inspirez-nous à chaque prière. À chaque prière. Fais-le go, start matin. Start matin. Start matin. Et continue. Selon ta promesse. Qui t'aime, on est? Qui t'aime, on est? Qui t'aime, on est? Au Saint-Esprit, Esprit de vie, quelqu'un l'a trop petit pour vous, gloire. Quelqu'un l'a envahi, Mathieu. Quelqu'un l'a envahi. Inspirez-nous à chaque prière. À chaque. Quel mieux sérum. Quel mieux sérum, Mathieu. Start ou Mathieu. Et continue. Quel start. C'est le temps. Pour. Homer. Quelqu'un qui a tout volé. Levez tête ou. Levez plus haut. Aïe! Au Saint-Esprit, Esprit de vie, quel autre nom et de gloire. Inspirez-nous à chaque prière. Esprit de vie et de gloire. Inspirez-nous à chaque prière. Et conduis selon ta promesse. Au Saint-Esprit, Esprit de vie et de gloire. Inspirez-nous à chaque prière. Inspirez-nous à chaque prière. À chaque prière. Et conduis-nous selon ta promesse. Et continue selon ta promesse. Est-ce que mes rôles? Au Saint-Esprit, Esprit de vie et de gloire. Besoin nous start la matin. Inspirez-nous. Besoin nous start la matin. À chaque prière. Et continue selon ta promesse. Lève nos mains. Et conduis-nous selon ta promesse. Besoin mon start matin. Besoin mon start. Au Saint-Esprit, start matin. Esprit de vie. Oh, besoin mon start matin. Start au matin. Start au matin. Inspirez-nous à chaque prière. À chaque prière. Fais-le go, start matin. Start matin. Start matin. Selon ta promesse. Qui t'aime, on est? Qui t'aime, on est? Qui t'aime, on est? Au Saint-Esprit, Esprit de vie. Quelqu'un l'a trop petit pour vous. Et gloire. Quelqu'un l'a envahi, Mathieu. Quelqu'un l'a envahi. Inspirez-nous à chaque prière. À chaque. Quel mieux sérum. Quel mieux sérum, Mathieu. Start ou Mathieu. Et continue. Quel start. Selon ta promesse. Quand quelqu'un tout le levez tête ou levez plus haut. Aïe! Au Saint-Esprit, Esprit de vie, quel autre nom? Et de gloire. Inspirez-nous à chaque prière. Esprit de vie et de gloire. Inspirez-nous. À chaque prière. Et conduis selon ta promesse.
Inspirez-nous à chaque prière. Inspirez-nous à chaque prière. À chaque prière. Et conduis-nous selon ta promesse. Et conduis-nous selon ta promesse. Est-ce que mes enlèves? Au Saint-Esprit, Esprit de vie et de gloire. Besoin de start la matin. Inspirez-nous. Besoin de start la matin. À chaque prière. Et continue selon ta promesse. Levez-nous. Et continue selon ta promesse. Besoin de start la matin. Besoin de start. Au Saint-Esprit, start matin. Esprit de vie. Oh, hey. Besoin de start matin. Start au matin. Start au matin. Inspirez-nous à chaque prière. À chaque prière. Fais-le go, start matin. Start matin. Start matin. Et continue selon ta promesse. Qui t'aime, on est. Qui t'aime, on est. Qui t'aime, on est. Au Saint-Esprit, Esprit de vie, quelqu'un l'a trop petit pour gloire, quelqu'un l'a envahi ma terre, quelqu'un l'a envahi. Inspirez-nous à chaque prière, à chaque prière, qu'on se rend, qu'on se rend ma terre, start ou ma terre. Et continue, qu'on start, c'est l'autre, pour promet, quand quelqu'un tout le monde, levez tout, levez plus haut, aïe! Au Saint-Esprit, Esprit de vie, quel entre nous et de gloire. Inspirez-nous à chaque prière. Esprit de vie et de gloire. Inspirez-nous à chaque prière. Et continue selon ta promesse. Au Saint-Esprit, Esprit de vie et de gloire. Inspirez-nous à chaque prière. Inspirez-nous à chaque prière. À chaque prière. Et continue selon ta promesse. Et continue selon ta promesse. Est-ce que mes enlèves? Au Saint-Esprit, Esprit de vie et de gloire. Besoin de start la matin. Inspirez-nous. Besoin de start la matin. À chaque prière. Et continue selon ta promesse. Levez-nous. Bonsoir les amis de la Bible, bonsoir membres visuels des élus, bonsoir les amis de la parole de Dieu, bonsoir à toutes les amis, Florida, amis Connecticut, amis New York, amis Georgia, amis tout partout, quel que soit côté nous y est, m'a salué nous apprécié non Seigneur. Donc on a depuis le fait là ça, et bien si là nous avons rendez-vous avec bon Dieu, bon tabla, côté que nous réunis pour nous lire parole bon Dieu ensemble, de Genèse à l'Apocalypse, et nous en finalité, nous devons dire Ancien Testament parce que soit n'a pas abordé Zacharie. Et avant dernier livre et ensuite Malachi pour nous terminer avec Ancien Testament. D'ici lundi si Dieu veut, nous avons une chance de commencer avec les 27 livres de du Nouveau Testament. Salut toutes amis qui sont là, qui en ligne, prend place au bout table, prend bibo et toujours fait nous plaisir ça. Invitez l'autre monde, partagez le numéro de téléphone avec l'autre monde. Monde qui t'a aimé faire ça, parfois ou pas connaît.
C'est 952 de 22 17 50, code 305 305 23 dièse. Vous capable suivre nous tous sur Facebook, YouTube, ou taper Vision des élus, ou bien link que nous voyons pour vous sur WhatsApp. Là, montez sur Facebook, YouTube, pas oublier abonner avec Chanel, non? Ça permet de vous notifier de toute activité que nous avons fait. Et nous connaissons, bon Dieu a béni, ou a besoin de nourriture, ou d'amour, ou a besoin de moyens pour continuer à faire route avec le Seigneur. Déjà fait 6h05 depuis North Miami, Florida, côté moyen, ma coordonnée programme ça avec tous les amis. Encore une fois, ma dit nous bonsoir et welcome pour la place nous ouvert Bible. À nous demander, yon a bien aimé nous pour prier pour nous commencer avec la séance à soir. Donc, à nous demander, yon a moun yo. Est-ce que c'est Maniga qui a fait ça pour nous, pour prier pour nous commencer à soir? C'est Maniga, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, pasteur. Jésus-Christ, papa, non, Jésus-Christ. Nous donnons merci à nos nouveaux, nos gazos, nous disons merci pour grâce, c'est nous qui passons une bonne journée. En bas d'une protection, si on n'a pas qu'il y a occupation, on ne peut pas quitter nos sols, on ne peut pas quitter aucun malheur dans Jacques, qui nous dit merci. Maintenant, nous disons le final du parole, Dieu trois fois, c'est. Nous disons merci pour tout le monde qui est déjà là. Merci pour pasteur mon désir avec son nous, on va continuer de bénir son ça. Pour continuer à pour vous vision, pour partager à petit ouvert sagesse, ouvert intelligence, pour être capable de nous, nous-mêmes, nous capables de faire ça, nous ne pouvons pas pécher contre nous-mêmes. Merci pour toute bagarre qui prend le fait, mon Dieu, merci d'avancer, bénir chacun de nous-mêmes en abondance à travers la parole. Ça va nous prier au conseil au nom de Jésus, à l'histoire de la gloire, au ciel et des cieux. Amen. Merci, Sœur Maniga. Alors, même on qui en liste pour lire pour nous à soi, nous rétons au dernier chapitre dans AG. Il y a un monde qui voulait lire le dernier chapitre là pour nous parce que nous parlons de Florence. Vous mettez fait étoile 5, nous avons lu le chapitre fait Florence. Donc, au monde qui voulait faire ça, maintenant, si c'est deux mondes, ça qui fait étoile 5 avant, c'est l'inabaye. Ensuite, après ça, on a demandé Sœur Guy pour présenter pour nous le livre de Zacharie. Sœur Pascal a commencé pour nous avec chapitre 1er, Sœur Yolène chapitre 2, Sœur Louis chapitre 3, Sœur Betty chapitre 4, Sœur Jeanne chapitre 5, Sœur Pierre chapitre 6, Doranville chapitre 7, Sœur Niva chapitre 8, Sœur Anissette chapitre 9, chapitre 10, Sœur Galiote, Sœur Kenid, chapitre 11, Sœur Lucie, chapitre 12, Sœur Almir, chapitre 13, Frère Yves, Nguyen Précieux, c'est chapitre 14, si nous sommes arrivés. Ok. Pas de monde qui veut lire chapitre Sœur Florence, c'est AG chapitre 2. Je veux dire, n'importe qui fait étoile 5, n'a pas eu l'île pour. On a placé Saint Florence parce que Saint Florence pas là. Bah ouais, monde qui lève mais si pas grand monde qui lève mais ok. Moi ouais ok. Saint Maniga fait ça. Let's go Saint Maniga. Amen. On dit de nous qui donne de qui fait rien. On oublie ensemble à juste le Dieu à la gloire de Dieu. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme un lien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel.
et travaille quand je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Agé, chapitre 2, verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne criez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux de la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Verset 10. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé reprenant la parole dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Verset 16. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la miel et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je reprendrai la bénédiction. Verset 20. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé le 24e jour du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux de la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Amen. Parole du Seigneur. Merci, notre bien-aimée, sœur Maniga. Et n'a pas demandé sœur Guy pour présenter nous le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie est écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ par le prophète Zacharie. Terme et enseignement, les deux avènements du Messie. Contemporain d'Agé, le prophète Zacharie, à travers ses révélations, prophétise à l'époque de la reconstruction du Temple. Son livre prédit la venue du Messie Jésus, son humiliation, son sacerdoce et son humanité. En tant que j'aime, le Messie qui monte sur un anneau, le souverain sacrificateur, le roi, le pasteur vendu, le crucifié.
parole du Seigneur. Merci, sœur qui a commencé avec Zacharie, c'est sœur Pascal qui a commencé pour nous, pour la gloire de Dieu. Bonjour, bénis pasteur mon Dieu. Bonjour, bénis les amis de la Bible. Lisons Zacharie chapitre 1er. Exhortation à la repentance. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel s'est adressée à Zacharie, fils de Berechia, fils d'Ido, le prophète en ce mot. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Reviens à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Vision des chevaux. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Sheba, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel s'est adressée à Zacharie, fils de Berechia, fils d'Ido, le prophète en ces mots. J'ai regardé pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi les lumières dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, pauvres et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'âge qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les lumières prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les lumières et parmi les lumières, et ils dirent, nous avons parcouru la terre et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Alors, l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Zacharie 1er, verset 14. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais pas peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordon sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Les quatre cornes. Zacharie 1er, verset 18. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait quatre cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir quatre forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont élevé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants.
parole du Seigneur. Merci, Sœur Pascal. Et Sœur Yolaine a continué pour nous avec Zacharie, chapitre 2. Merci, Zacharie, mon désir. On est bénis. On est bénis chaque monde qui se souligne dans ce pays. Zacharie, chapitre 2. Après ça, moi fais une autre vision. Je réveille, moi gardé. Je vois un homme avec une chaîne pour mesurer ma main. Je me demande côté où pour aller. Il répond moi, je vais prendre mesure la ville de Jérusalem. Pour moi, qui m'en gueule à qui la gère, il gagne. Vingt qui t'a parlé avec moi, hein, qui était campé. Nous l'avons approché devant, l'ivine joigne. Premier vin l'a dit. Deuxième l'a, couru à lui, jeune garçon ou, ouéa, à chien en mille l'a. Si tellement pour aller mien à bête dans la ville Jérusalem, y'a pas besoin de bâtir muraille pour fermer. Je a parlé, lui fait connaître, c'est lui-même qui a tant coup, un gros miraille du fait, qui a fait rendre la ville là pour protéger, lui dit, m'a prêté, n'a mis tant la ville là à tout pouvoir, verset 6. Mais ça, c'est a dit, hey, nous-mêmes, nous t'es garé dans quatre coins. La terre, yo couri qui te pays qui n'a mort. Et nous-mêmes, Sion, quitter la ville, Babylone, sauver comme. Mais ça, c'est lui qui a tout pouvoir. C'est lui-même qui voyait. Mais ça, les 10 sous-nations qui te pillé, peuple, si on mène malé peuple, c'est un coup sur lequel pour être un jeune. Moi-même, je crois le vrai à nous. Nous nous te fait tourner esclaves. C'est le même encore qui pourra piller nous. Laisse ça, tout le monde va connaître ce Seigneur qui a tout pouvoir qui te voye. C'est la vie encore. Nous-mêmes, la vie Jérusalem, chantez, c'est que nous comptons. Mais, ma vie pour être nanitan. C'est moi-même, Seigneur, qui dit ça. Laisse ça, en pile nation va venir joindre Seigneur pour le servir. C'est peuple-là, c'est peuple, nous-mêmes, Yavye, la ville était Namitaï. Laisse ça, n'a connu ce Seigneur qui a tout pouvoir, qui te voyait côté nous. Te va prendre pays Jida pour lui, ta portion pâle. N'a pas été à part pour lui. La choisi la vie Jérusalem encore. C'est tout monde, tes bouches. Devant ce là, parce que la sortie côté qui a pas pour lui, la vie de livrer nous, parole du Seigneur. Amen. Merci, Pasteur. Merci, notre bien-aimée, Sœur Nous, Sœur Yolaine. C'est lui qui a dû lire chapitre 3 pour nous, mais depuis hier, quand c'est lui pas bon. Donc c'est Marie qui t'a lu pour lui, elle n'est pas là. À nous demander, Sœur. Sœur Léonie, est-ce qu'elle a lu Zacharie chapitre 3 dans la place Sœur Louis Augustin pour nous? Sœur Léonie. Sœur Léonie, elle n'est pas attendue de nous? Est-ce qu'elle n'a pas joué l'autre monde? Qui a lu dans la place Sœur Léonie pour nous? Oui, ok.
Frère François, dit le café ça, nous gagnons frère, sœur Brisson, des dix monde qui baille avant, ok, n'a baille frère François, et puis l'autre là, nous va baille sœur Brisson. Ok, frère François, let's go. Bonsoir, pasteur. La Bonsoir. paix de Dieu avec vous. Bon Dieu Bonsoir béni. Tous les amis de la Bible. Bon Dieu bénis nous. Zacharie, chapitre 3. Vision du grand prêtre Josué. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis, pour mettre sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le Jem. Versets 9 et 10, pour en finir. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en ce jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Merci, pasteur, parole, Seigneur. Merci, frère François. Ok, sœur Betty, t'as dû lire. Chapitre 4 pour nous, nous parlons de Betty. En nommant de Sœur Brisson, Livali, Zacharie, chapitre 4 pour nous, dans la place Sœur Betty. Oui, bonsoir, pasteur. Bon Dieu bénis nous. Et salut tout le monde qui sont venus dans la Zacharie, chapitre 4. Vision l'ancienne broche-là à Pierre Olivier. Zange qui t'a parlé à moi, il vient encore. Il souke nous ton couillot, souke au monde qui a dormi pour faire lever. Il dit nous comme ça. Ça où est là? Je réponds. Moi, il y a cette branche en l'eau qui campait à terre. Il y a une boule dans la tête avec 7 lances sur les bords de là. Chaque lance, c'est 7 débouches pour 7 mèches. Bon, dans cette branche-là, c'est 2 pieds olives. L'une sur bord droite, l'une sur bord gauche. Après ça, je prends la parole, je demande aux anges qui t'a parlé avec moi. Mais qui ça va faire ça? Il répond moi. Pour pas comme ça, je réponds lui. Non, mais je ne pas connaître. Pour même qu'on te fait de Babel. Les anges qui t'a parlé avec moi répondent lui. Même si le Seigneur a voyé pour Zorobabel, ce n'est pas avec un soldat ou yo, ni avec propre courageux ou pas arriver dans ça ou bien pour faire. Mais c'est pas avec pouvoir l'esprit pas ma baoua. Le Seigneur qui a tout pouvoir même qui dit ça. Qui vous attrape? Il n'y a pas disparu devant vous. Zorobabel, qui gros monde a tourné en plein. Ou bien pour vous prendre une belle roche là-dedans pour faire l'entour portail temple. Laissez tout le monde parler à la belle sa belle. Merci pour lui. Tenez à parler avec mon collègue. Zorobabel, mettez main dans la fondation Kaila. Les gars pour finir. Laissez ça. Peut-être moyen va connaître moi-même, Seigneur, qui est voué au bon côté. Je te prends si commencement ça pour rien. Mais, à la content et à content, mais à ouest,
Zorobabel a contrôlé travail là. Qui la plan ni nan men. Explication visant l'aspect branche là à pied au livre. Zange la dit encore. L'aspect branche oué là, c'est sept jésénia qui oué tout ça qui a passé sous la terre. Nous m'a dit, depuis au livre qui chaque vol l'aspect branche là. Nous sous bord droite, nous sous bord gauche. Qui ça yoye? Des branches au livre sous côté des types. Si yo en l'autre côté l'huile a coulé, qui ça yo vle di? Li répond non. Ou pas qu'on ça yo vle di, moi dit non, mais. Par contre, non, li dit nous comme ça. C'est des mondes bon Dieu choisi pour faire travail, Seigneur. Mettre la terre. Amen. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, Sœur Brisson. A nous demander, Sœur Jeanne, pour continuer pour nous. Avec Zacharie, chapitre 5. Bon Dieu béni au pasteur, bon Dieu béni tout le monde qui est sous les lents. M'appelez Zacharie, chapitre 5. Le rouleau de manuscrit dans les airs. Je levais de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau de manuscrit qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout injure sera chassé d'ici. Je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom. Afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. La femme assise au milieu de l'effa. Verset 5, l'ange qui me parlait s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ceux qui sont là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'effa qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'effa. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'effa, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux, et je regardais, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait de leurs ailes, elle avait des ailes comme celles de la cigogne. Elle enverse ses pas entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait, où apporte-t-elle les femmes? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Sinéa, et quand elle sera prête, il sera déposé. Merci, merci notre bien-aimée Sœur Jeanne. N'a continué avec Sœur Pierre. Sœur Pierre dans le chapitre suivant, le chapitre 6. À nous écouter nous et Sœur Pierre. Sœur Pierre, bon Dieu béni. Les quatre chars. Je levais de nouveau les yeux et je regardais, et voici quatre chars sortaient dans deux montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce, mon Seigneur? L'ange me répondit, ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelé à l'un des chars se dirige vers le pays du septentrion, et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi.
les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange et il parcourit, l'ange leur dit, allez parcourir la terre. Et il parcourut la terre. Il m'appela et il me dit, vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. Zacharie chapitre 6, le verset 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs, Peldai, Tobija et Jedaja, et tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, pour qui parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom j'aime, j'aimera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Verset 13. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union restera entre l'un et l'autre. Le sacrificateur de Christ. Le trône sera pour Bélène, Tobija et Jedaja. Et pour elle, plus de sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Merci, pasteur. Merci, Sœur Pierre. On va continuer avec Zacharie chapitre 7. Sœur de Ronville. Oui, ma sœur. Excusez mon maman. Oui, allô? Oui, oui, ma chère maman. Un moment. Excusez. Zacharie, chapitre 8. Bon, salut tout le monde. Non, c'est Zacharie, le chapitre 7. Chapitre 7, ok. La quatrième année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le quatrième jour du neuvième mois, qui est le mois de Kislev. On avait envoyé de Bethel, Shaaretzer et Regem, Melech, avec ses anges pour implorer l'Éternel. Et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au cinquième mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tous les peuples du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez, vous et vous qui buvez? Ne connaissez pas vous les paroles
qu'a proclamé l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentour, et que le midi et la plaine étaient habitées, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre un mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle. Et ils endurcirent leurs oreilles. Et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par le premier prophète. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qui ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant. Et de pays de délices, ils ont fait un désir. Amen. Merci, Sœur Déonville. Et Sœur Niva Tadouéli, chapitre 8, là pour nous, Sœur Niva par là. On nous fait appel à Sœur Rosemary, il va aller dans la place Sœur Niva pour nous. Sœur Rosemary. Oui, Sœur Rosemary. Chapitre 8. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis venu pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem. Chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Zacharie 8, verset 5. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture et honneur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense, et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Zacharie 8, verset 11. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple.
De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères visitaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Zacharie 8, verset 15. Ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je ai dit l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me s'est adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Verset 20. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Verset 23 pour finir. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Parole du Seigneur. Au Dieu béni. Merci, Sœur Rosemary. Sœur Anice, à continuer pour nous avec le chapitre 9. Sœur Anice. Merci, pasteur. Nous saluons tout le monde qui est sur ligne là. Nous allons aller en Zacharie 9, sous la gloire de Dieu. Les nations vaincues. Orac, parole de l'Éternel sur le pays de Hadrach. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamat, à la frontière de Damas, Tyr et Sidon, malgré toute leur sagesse. Tyr s'est bâti une forteresse, elle a amassé l'argent comme de la poussière, et l'or comme la boue des rues. Verset 4. Voici, le Seigneur s'emparera, il précipitera sa puissance dans la mer et elle sera consumée par le feu. Ascalon le verra et elle sera dans la crainte. Gaza aussi et un violent tremblement la saisit. Et crois aussi quand son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza et Ascalon ne sera plus habité. L'Éternel et l'étranger s'établira dans Asdod et j'habiterai l'orgueil des Philistins. Et j'abattrai l'orgueil des Philistins, excusez. J'ôterai le sang de la bouche et les abominations d'entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda et Écron sera comme les Jébusiens. Verset 8. Je camperai autour de ma maison pour la défendre comme une armée contre les allants et les venants et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. Car maintenant, mes yeux sont fixés sur elle. Jérusalem sauvée. Toi transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi et il est juste victorieux.
Il est humble, il monte sur un âne, le petit d'une ânesse. Verset 10. Je détruirai les champs d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il donnera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai ces captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Verset 12. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je déclare, je te rendrai le double. Car je bande Judas comme un arbre, je mange Ephraïm comme un arbre. Et je sauverai tes enfants au Sion contre des enfants au Javan. Je te rendrai pareil à l'épée d'une vaillante homme. L'Éternel aussi, l'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera la trompette. Il s'avancera dans l'auravant du midi. Verset 15. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la ponte. Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme des points de l'autel. Verset 16 pour finir. Verset 17 pour finir. L'Éternel, le Dieu des les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple. Car ils sont les pierres d'une diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle postérité pour eux! Quelle beauté! Le froment sera croître. Les jeunes hommes et les mous, les jeunes filles, parole du Seigneur. Merci, merci. Avant nous prendre un chapitre qui vient après, alors nous comprendre et prophétie ça en partie, nous avons dit, à nous retirer un peu de bruit, nous avons dit en partie, prophétie ça accompli. Parce que nous rappelons, et Jean verset à Dia, et Jean le parlait à le montrer, prophétie au sujet de l'entrée triomphale du Messie à Jérusalem lors de sa première venue. Donc, Zacharie, prophétie Zacharie chapitre 9 là, son prophétie au sujet d'Israël à la fin de notre ère. Il parlait tout du retour et le règne de Christ. Donc nous comprenons les ces bagages actiques cités, am noté qu'on doit dire gros autobré en Israël yo. Les ouais Jésus a monté son petit bourrique et puis il a rentré triomphalement dans la ville de Jérusalem. Donc monsieur Gata comprend, c'est l'accomplissement de la prophétie que Zacharie te prononcer des siècles auparavant. Donc, ça fait que tu n'as pas là, mon yo, tu monté, mon yo, parce que tu n'as pas cru dans Jésus. Donc, tu as senti que Jésus a approprié de cette prophétie de Zacharie. Alors que c'est exactement ça. C'était le Messie d'Israël. C'était le roi qu'Israël attendait. Mais tu n'as pas préparé pour ça. Et bien, tu n'as pas rejeté. Et je dis à vous encore dans l'attente d'un Messie. Mais Messie a intervenu il y a environ 2000 ans déjà. Donc, Matthieu, attention, nous, son prophétie en partie accomplie déjà là, à Zacharie, le chapitre 9. Nous continuons avec ce Galiote dans le chapitre 10. Ce Galiote. En nous, 2 minutes, ce Galiote, côté ce Galiotier. Galiote. Ok, c'est Galiote, bon Dieu béni.
Bonsoir, Pasteur Moudézi. Bonsoir, tous les amis de la Bible. Nous allons lire ensemble Zacharie, chapitre 10, pour la gloire de Dieu. Le règne de l'Éternel. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Verset 2. Car les théophènes ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des fausses. Les sols mortent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Verset 3. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs. Car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Judas, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. Ézéchiel 10, verset 4. De lui sortira l'ordre, de lui le coup, de lui l'ordre de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble. Verset 5. Ils seront comme des héros foulant de la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Je fortifierai la maison de Judas et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux. Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Verset 7. Ephraïm sera comme un héros. Le cœur aura la joie que donne le vin. Les filles le verront et seront de l'allégresse. Le cœur se réjouira en l'Éternel. Je les citerai et les rassemblerai car je les rachète. Et ils multiplieront comme ils multipliaient. Verset 9. Je les disperserai parmi les peuples. Et au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec les enfants et ils reviendront. Verset 10. Je les ramènerai du pays d'Égypte et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban. Et l'espace ne suffira pas. Il passera la mer de détresse. Il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Verset 12 pour finir, je les fortifierai par l'Éternel et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel, parole du Seigneur. Merci parce que mon désir. Merci, Sœur Galiote. On a continué. C'est avec Sœur Kenine dans le chapitre 11. Nous parlons de Sœur Kenine. On nous demande Sœur Dito pour lire pour nous dans la place Sœur Kenine. Sœur Dito. La paix avec nous, avec chacun. Bonsoir, pasteur. Zacharie, le chapitre 11. Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. J'ai mis si près car le cèdre est tombé, ceux qui s'élevaient sont détruits. J'ai mis ces chaînes de Bazan car la forêt inaccessible est renversée. Les bergers poussent des cris lamentables parce que
leur magnificence est détruite. Les lionceaux mugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Zacharie 11, le verset 4. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vendit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis, et leur berger ne les épargne pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leur roi. Ils ravageront le pays et je ne délivrerai personne de leurs mains. Zacharie 11, le verset 7. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du pays, du troupeau. Je pris deux houlettes. J'appelai l'une grâce et j'appelai l'autre union. Et je fis paître les brebis. J'exterminerai les trois bergers en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet, et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et je dis, je ne vous paîtrai plus. Que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celle qui reste se dévore les unes les autres. Zacharie 11, le verset 10. Je pris ma houlette grasse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. Le verset 13, l'Éternel me dit, jette-le au poutier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé, et je pris les 30 sicles d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le poutier. Puis je brisai ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Le verset 15, Zacharie 11. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un berger insensé, car voici, je susciterai dans le pays un berger qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Le verset 17, malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis. Que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit. Que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Parole du Seigneur. Merci, Sœur Dito et Sœur Lucie, à continuer pour nous avec Zacharie, le chapitre 12. Bonsoir, Master, mon désir. Bonsoir. Au dernier, Master. Oui. On va continuer avec chapitre 12. Bonsoir, tous frères et sœurs qui sont là. Nous voyons Zacharie, chapitre 12, à la gloire de Dieu. Délivrance pour la ville de Jérusalem. Même ça, Seigneur, bail. Faire connaître volonté sous le monde peuple israélien, mais décision li point. Li même Seigneur qui ouvre ciel là
dans la place li, qui crée la terre et puis qui baille la vie. Non pas c'est la ville de Jérusalem, c'est nous, l'autre nation, yo, qui bon côté, yo, perdit tête, yo. Par contre, nous, qui sous, l'air a cerné la ville de Jérusalem, yo, quoi, cerné la ville qui n'a reste pays Jida et tout. Mais ça, Max c'est la ville Jérusalem pour nous deux roches, nous, pour 350, toute nation qui va chercher les veilles va fouler en bas. Tout le monde sous la terre va mettre ensemble pour nous attaquer. Juste à tort. Ma fait tout choix yo le boagé. Ma fait cavalier yo de parler. Et moi-même, Seigneur qui dit ça. Ma voye peuple Juda pour. Ma voye peuple Juda pour en rien arriver yo. Mais, ma fait tout choix l'ennemi yo vin avec. Le sa, moun fami jida yo va di ma kèr yo, se Seigneur ki gen tout pouvoir, bon Dieu yo a, ki tout fos moun ki rete la vie Jérusalem. Verset 6. Le sa, ma fè moun fami jida yo toune, tako, yo boukan takou yo boukan di fe nan mitan yon rat bwa. Ou sinon, yo takou bwa chandel li men nan mitan pay chèch. La devore tout peyi ki tout pwèl yo, sou bòk gòch ak sou bòk dwat. Men, moun la vi Jérusalem yo, après te na plasio, premier moun Seigneur a délivré se va moun jida yo. Konsa, louange ya fè pou petit petit David yo a pou pèp Jérusalem, Jérusalem la, pa pi gwo ka se louange ya fè pou res moun jida yo. Verset 8. Lesa an Seigneur va louvri zèl li pou protéger tout moun ki rete la vil Jérusalem yo. Oui, lesa men pi febla ap gen fòs tankou David. Petit petit David yo va a la tèt pour diriger tout tant que bon Dieu, tant que anges Seigneur. Laisse ça, m'a détruit toute nation qui va comprendre pour attaquer la ville Jérusalem. Verset 10. M'a fait petit, petit David, yo, à nous la ville Jérusalem, yo, bien bon cœur. Ma fè yo kon la prière nan pye m. Ya leve je yo gade m. Ya wè moun yo te fè se ya. Moun yo te fè se ya. Ya nan wè la peine pou li takou moun ki perdi sel pitit li te genyen. Ya fète wele takou moun ki perdi premier petit garçon yo. Verset 11. Le sa, l'el a pété la ville Jérusalem, tankou l'el te pété pou Adad Rimon, nan plaine
Megidon, dans plein Megidon. Verset 12. Dans le pays, chaque famille va mettre ses têtes ensemble pour jouer pour contre. Garçon, dans la famille David, ils ont bord. Madame, ils ont le bord. Garçon, dans la famille Nathan, ils ont bord. Madame, ils ont le bord. Garçon, dans la famille Lévi, ils ont bord. Madame, ils ont le bord. Garçon, dans la famille Chimay, ils ont bord. Madame, yon lot bo. Verset 14, dernier verset. Tout reste famille va kembe ou la tour. Garçon, yon bo. Madame, yon lot bo. Chaque famille, bo pa yo. Parole du Seigneur. Amen. Merci, Pasteur Mondésir. Merci, Sœur Lucie. On a continué Zacharie chapitre 13, avant-dernier chapitre avec Sœur Almir. Bon, je vais nous passer, nous saluons tout le monde sur le nom, la paix Zacharie chapitre 13. Menace contre les faux prophètes. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil de mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as remises, il répondra, c'est de la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Zacharie, chapitre 13, verset 7. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et le tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'épouserai comme on épouse l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Notre bénie. Merci, pasteur. Merci, notre bien-aimée sœur Almir. Donc, on a continué avec le dernier chapitre dans Zacharie. Mais il semblait que mon qui t'a volé pour nous, c'est ta frère Yves. Pas un frère Yves. Je connais qui est ce monde qui veut l'île. Qui est ce monde qui veut l'île en place là? En place frère Yves, dernier chapitre là, s'il vous plaît. Sedouya. Non. Je ne sais pas si parler. Ok, Sedouya. On met à l'île Sedouya. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, c'est mon désir. Bon Dieu béni, les amis de la Bible. Vous voyez, Zacharie chapitre 14, le jour de l'Éternel. Voici le jour de l'Éternel arrive, et les dépouilles seront partagées au milieu de l'eau, de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem.
La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations, comme il combat au jour de la bataille. Verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par les milliers à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers les septentrions et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Keba à Rimon au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles et depuis la tour de Hamanel jusqu'au pressoir du roi. Verset 1, on habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Verset 14, Juda combattra aussi dans Jérusalem. Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements et très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Verset 17. Il y a des familles de la terre qui se montent à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. La pluie s'étendra
la pluie ne tombera pas sur elle si la famille d'Égypte ne nomme pas, si elle ne vient pas. La pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui se montreront par pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne montrera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Verset 20, en ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières de la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de manchants, dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Parole du Seigneur. Merci, notre bien-aimé Sœur Douya. Alors, ça c'est une plus belle chapitre. Nous avons dit, c'est avec nous terminer à Sœur. Et le chapitre, ça a parlé de retour triomphant du Seigneur sur la terre pour apporter la délivrance. Retour du Seigneur. Alors ici, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. C'est le retour du Seigneur en gloire. Phénomène physique, nous devons dire, littéralement, eh bien, le Seigneur qui parle retourner, qui parle manifester physiquement en Palestine, donc au Proche-Orient, et pas dans l'autre planète, il va descendre, dans la planète, pas nous-mêmes. Ça nous a croyé, ça nous a annoncé depuis longtemps, il va arriver. L'enlèvement de l'Église qui est en fait, eh bien, Zacharie a parlé là de. On nous dit que comment royaume bon Dieu a pral et pral établi sur la terre qui était rêve bon Dieu de tous les temps. Et bien rêve bon Dieu depuis Adam, c'était établir son royaume sur la terre. Et bien cette fois-ci il pral le fait avec le Seigneur. Des plusieurs événements qui pral passer dans le moment ça. Premièrement, et Zacharie parle de rassemblement des nations, c'est ça où les batailles d'Amagédon. Il va réunir toutes nations, ça, toutes nations de tous les temps bibliques. Je dis à qui les Iran, qui les la Russie, tout pays était hostile après Israël et à Dieu. Et bien, il va rassembler. Et bien, pour la grande bataille d'Amagédon. La Bible a dit avec le souffle de sa bouche, eh bien, la paix éliminera avec toutes les armes ou gagnées, toutes les missiles ou avouées aujourd'hui, eh bien, toutes les armes nucléaires qu'on gagne, le Seigneur a éliminé. Ensuite, dans l'autre gros événement qui va le passer, c'est la délivrance d'Israël. Nous, Isaïe, dans verset 3, il dit ça. Il dit l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Comme il combattra le jour de la bataille. Jean l'Éternel, dès qu'on fait depuis longtemps délivrer Israël, là, il va le faire ça encore. Donc, c'est la délivrance d'Israël. Et ensuite, il y a le retour de Christ sur le mont des Oliviers, avec la transformation topographique, Jean Montaille l'a fait là. Bon, et bien, pour le grand tremblement de terre, il parlait de bon, tremblement de terre pour le fond du mont des Oliviers. Et Isaïe t'a montré ça depuis Isaïe 29, Apocalypse de Satan, Apocalypse chapitre 16. Eh bien, le tremblement de terre, ça prend le fond de montagne en deux. Et ça, le Seigneur prend le déposer pied sur le mont des Oliviers. Parce que les anges t'ont dit, même Jean que nous t'avons allé, c'est comme ça pour tourner. Et c'est même côté qu'il t'est allé. Parce qu'il était monté sur la montagne des Oliviers, et bien c'est là qu'il va retourner. Et quatrième gros et dernier événement, c'est l'établissement du royaume
qui a en pleine bénédiction pour tous les hommes, et pas seulement pour Israël, c'est pas seulement pour nous les chrétiens, mais pour tous les hommes, parce que non seulement des monde qui pourra vivre, pour avoir deux classes de citoyens, monde avec corps spirituel et monde avec corps physique, mais après bénédiction. Et tout le monde pourra recevoir l'ordre, tout roi, tout chef à travers le monde pourra recevoir l'ordre pour monter à Jérusalem pour nous venir adorer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Avec la capitale là, c'est à Jérusalem. Tous ceux qui resteront de toutes les nations. Parce que dans pile monde qui pral pas exister encore, mais il y a quelques monde qui pral juger bon pour moun sa yo vivre, pour bah, laisser passer, pour vivre dans le royaume de Christ. Eh bien, tous ceux, le verset 16, qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour adorer le roi des rois, l'éternel des armées, le seigneur des seigneurs, et pour célébrer la fête des tabernacles. N'oubliez pas, la fête des tabernacles, elle garde sept fêtes le bon Noël. Dernière fête là, c'est la fête des tabernacles. Ces fêtes sont célébrées en général, les fins récolter toute moisson, c'est la réjouissance en Israël. Eh bien, après la moisson, la grande moisson, à travers les temps bibliques, tout le monde qui était doué sauver, tout le monde qui était doué ressusciter, tout le monde qui était doué transformer, tout le monde qui était doué disparaître, aller, s'accaler dans les abîmes, etc. Tout le monde qui était fait, et mais ce sera la grande réjouissance, toutes les nations sur la terre seront réunies. Eh bien, pour célébrer la dernière fête, même Jean Israël qu'on fait en Israël, les fin récolté, eh bien, tout réuni, la grande réjouissance, eh bien, en Israël. Donc, ce sera la fête des tabernacles. Et le monde qui va monter pour célébrer la fête des tabernacles, eh bien, mon cher, ou en bas jugement, ou en bas punition, la pluie va tomber sous nation ça. L'Égypte, s'il ne veut pas monter, nous avons sa capitaine l'Égypte, la pluie éternelle n'est pas sur elle, et la frappe, bon, l'éternel a frappé ou pas des plaies, ben, tout le monde doit monter pour venir adorer et célébrer la fête des tabernacles. Ce jour-là, il sera écrit sur clochette de chevaux, sainteté à l'éternel. Merci mes bien-aimés, nous restons seulement le livre de Malachie demain qui gagne 4 chapitres. Quoi ça? Avait dit nous pas gagner gros bagaille que nous pourrons le faire demain si Dieu veut. Au contraire, c'est célébrer, n'a célébrer pour nous ouais. Ben avec patience nous arriver dans dernier livre, dans l'Ancien Testament, dernier livre prophétique, le livre de Malachie. Alors demain si Dieu veut, dit tout le monde ça, tout le monde est là. Pour nous prendre un petit temps, parler ensemble, faire connaissance, m'a ba chaque monde qui a 2 minutes ou 4 dire un bagaille. Donc, monde qui parle là, voyez dire ça pour nous. Donc, demain, si Dieu veut, c'est dernière séance en soi, c'est testament. Et lundi, si Dieu veut, eh ben, nous allons commencer avec le Nouveau Testament. Merci en ville, de nos internautes. Merci les amis de la Bible. Merci à Vision des élus, merci supporter nous. Tout le monde qui va jamais oublier nous, qui fait geste qui aide nous, eh bien nous remercions nous toutes. Eh bien nous pourrons le passer sœur Joannis, l'infatigable, c'est les mêmes qui pourront le faire admission pour nous, pour le dire nous. Demain si Dieu veut, nous pas traverser dans le Nouveau Testament bien entendu. Seulement là-bas nous, 4 monde qui vient pour lire. 4 derniers chapitres, après ça, on a fait parler entre nous, fait connaissance, garder le monde qui soule là. Et c'est toi, nous t'entendons, on a une chance de dire nous comment vous relayez, etc. Qui ça vous tire comme profit dans la lecture. Donc, il y a une possibilité pour m'aider chaque monde la parole de Messie Dieu. Alors, c'est Joannis. C'est Joannis, fait étoile sec pour nous identifier, s'il vous plaît.
Ok, c'est Johannes, bon Dieu béni, ou bien la parole. Moi, c'est Johannes, vous m'êtes parlé. Bon Dieu béni, pasteur, bon Dieu béni. Oui. Bon Dieu béni, mes amis de la Bible, avant de commencer, ma vie à vivre de la chaleur, je dis à ce fait-là, et puis je prie pour nous, là, nous dit, bon Dieu, continuez de bénir dans les années bénies. Happy birthday, Chalouya. Ok. Oui, mais la Malachi, je ne connais pas ce que je dis, mais bon Dieu, je vais le bénir parce que tout le monde qui va placer lui dans la place. Yes. Si vous voulez un bon merci de Dieu, Malachi chapitre 1, nous allons sur Lucie. Malachi chapitre 2, nous allons sur Almir. Malachi chapitre 3, nous allons sur Yves. Malachi chapitre 4, pour finir, nous allons sur Jean Charles. Je vous montre à vous de merci de vœux. Yes. Et puis, nous avons fait donc, demain, si vous avez une rencontre, nous avons fait 4 chapitres. Là, nous finissons, nous allons faire admission pour la semaine prochaine. Demain, je vais vous dire la propre, oui, mais je vais vous dire la propre. Ok. Bon Dieu, bénis-nous tous. Bien content. Bon Dieu, permettre que nous là. Et je ne sais pas si vous avez assez. Capable de prier pour nous mettre fin pour la gloire de Dieu. Frère Massé, vous entendez nous? Est-ce que Frère Massé entendez nous? C'est Léonie, vous entendez nous? Parce que nous avons l'autre à l'embas de nous. C'est Léonie? Parce que vous entendez nous, ma collègue? Oui, mais ok. Priez pour nous mettre fin pour la gloire de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous, dans ce ciel-là, nous bénissons, nous exaltons pour grâce et pour tout ce qu'on fait pour nous. Merci Seigneur, nous sommes là depuis après-midi, nous avons entendu les paroles là. Paroles qui sont bénédiction pour la vie, nous, paroles qui sont sirop pour nous. Parole-là qui change la vie, non, change les jeunes à vivre, et puis nous mettons les en pratique. Nous disons merci pour chaque monde qui a eu une chance qui a les paroles-là à soi. Nous remettons la main à côté pour nous ouvrir l'air, côté nous-mêmes, Seigneur, pour aller chaque fois demain, chaque fois faire l'autre bagage. Nous remettons la main avec même somme ça, c'est somme 121, verset 8. Côté Dieu a gardé aller entrer et sortir pour nous capables demain soir encore pour nous retourner pour nous venir dans même lieu ça pour nous venir bon gloire pour nous les paroles là qui va en médicament pour nous. Merci encore pour pasteur mon Dieu Seigneur qui est qui une bien fatigué qui toujours là pour faire l'œuvre aller vers l'avant pour aider nous comprendre parole puis bien. La prendre d'autant plus, on va bénir la famille, ça. On va protéger, on va garder. On va toujours tomber dans la grâce. Et on va toujours avoir l'opportunité pour bénir. Et on même pour rejoindre pour battre l'autre, pour battre nous. Pour nous capables de mettre en pratique pour demain, pour ne pas avoir des reproches. Le grand jour, ça va arriver. Merci Seigneur. Pour chaque facteur déjà fait. Et qu'on a nous parler, pour nous aller à la caille, pour nous dormir, ça quoi dormir, ça quoi le travail. Nous remettre dans la main, on nous demande autant pour va courir. Même les gens ont couru, d'après ça, dit dans Somme 91, verset 11. Vous avez veillé, vous avez ange, vous avez caille, nous pour rien. Côté de la main de pied, non, pour rien, pas arriver.
Je vais mettre soirée à la main. Mande temps pour vous regarder nous. On va rester avec nous. Et jusqu'à demain, pour nous retourner en bien, pour nous continuer les paroles. Merci pour tout ce qu'on fait. Non pas pour nous, parce que l'Amérique est nous bon. Mais nous pouvons la petite de Jésus, qui même qui vivrait au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée tout le monde. Nous sommes contents. Moi, je vais terminer avec le Nouveau Testament. On a l'attaqué, m'a terminé l'Ancien Testament pour nous terminer avec, on a l'attaqué le Nouveau Testament. Bon Dieu béni, nous, bonne soirée, salut. All participants are now unmuted. Bon Dieu béni, 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 bon Bonjour,